Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour l'In-The-Life. Alors aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec Fort Boyard, le défi, avec Mario et Delimar. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les couches-tard. Voilà, j'ai trouvé ce petit abandonware là. Voilà. On en profite. Donc, vous imaginez un peu le principe, hein, on va faire sur ordinateur des épreuves. De l'émission, cette fameuse émission TV. J'ai pas depuis des années, mais bon. Donc ça c'est voilà, embarqué pour le fort, c'est comme ça qu'on commence une partie. Là c'est un peu plus rapide, mais on va bien prendre le temps d'observer un peu. Voilà. Alors LED. Donc là il nous explique comment on fait aller les différents trucs, mais on va se débrouiller parce que. Voilà. Juste montrer la table à billes. Alors comment ça fonctionne? Ben, il suffit de pencher là la table. Voilà. En bougeant la souris. Heureusement, faut pas la pencher elle aussi. Ben, attention, donc c'est vrai qu'on peut abandonner certaines épreuves là, Je vois mais ça. avant d'être prisonnier. Bah oui. Donc on va embarquer. En route. On va être immergé comme ça dans l'ambiance. Nombre de joueurs. On dirait des claquements de doigts. Oh putain, j'ai fait retour arrière, je passe tout. Ah bah voilà. Voilà, tant pis. Allez, on peut aller choisir nos couleurs. Ah bah tiens donc. Formidable. Je trouve que celui-là tient plus du violet. Plus du violet, ouais. Je vais prendre bleu. Et moi Putain, le rouge. la souris se contrôle de manière tellement dégueulasse dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Je vois ça. La suite! C'est la tournée du patron. Voilà. Sûrement avec la fameuse bière, le Big Craison. On est en Bretagne, sûrement, dans le coin. Alors effectivement, on se répartit comme ça nos... On serait plutôt fait aléatoirement, ça irait mieux. Ouais, malheureusement il n'y a pas de bouton aléatoire. Non. On va essayer de se répartir un peu le truc, tu vois. Bien que je m'imagine très mal capitaine. Et moi donc. Parce qu'en fait, il y a les... Parce que tu vois, sinon il y a les muscles. Imaginons, moi je fasse le corps et toi la tête, tu vois. T'es un télo. T'es un télo et endurant. Les muscles sans endurance, est-ce que ça sert? Ça peut. On verra bien de toute façon. On verra. Je suis impatient de savoir quels sont ces candidats. L'énigme. Qui arrive là-bas? Moi, c'est le vrai Perforas, quoi. Heureusement. Bonne équipe, bien composée, mais cela sera-t-il suffisant? Approchez! Approchez! L'énigme. Dante, il a pas changé ces dernières années, le Perforas. Non, il me semble pas à ma connaissance. Yeah, magnifique effet dans l'eau. Fort Boyard. C'est peut-être carrément le générique de l'époque, ça. On dirait, ça ressemble. En tout cas, ça pourrait, hein. J'espère que vous aimez ces vidéos parce qu'on ne peut pas les zapper de toute façon. Enfin, il y a le montage, mais bon. Voilà une équipe qui va faire du bruit. En avant, les enfants! Vous verrez. Vous pourrez devenir des chasseurs de temps et enfin, c'est beaucoup plus lointain, les indices, le mot code, tout ça pour arriver à la porte de la salle du trésor. Oui, vous pouvez rêver déjà
au résultat de cette aventure. Il y a un gong au début pour 75 minutes. Si Monsieur Laboule veut bien lâcher son bâton. Vous pourriez sourire, Monsieur Laboule. Ça vous fera du bien. Allez, gong. Gong, ben, c'est bon, il en sait. Rest in peace d'ailleurs, Laboule, hein, décédé d'un cancer. Ah oui. Ouais, il y a de ça quelques années. Je pense que vous aurez la joie d'apprécier les bugs de son de DOSBox. Et on commence par l'énigme. Eh ouais. Allez, on attaque. Voyons si vous pourrez mêler humour et perspicacité. On se concentre. Écoutez. En main pour prendre des mesures, il fait croquer à vive allure. Levé, il marque la qualité. Répondez. Alors, je crois que c'est à toi qui pose la question parce qu'il y avait un t-shirt rouge. Alors, le... Au moins, on peut taper direct au clavier pour information. Il va répéter au bout d'un moment. Il y a intérêt, parce que j'ai un petit peu oublié. Une super animation, en tout cas du perfora. On sent même le détourage fond vert qui est un peu chié, quoi. Pour allez, prendre des mesures. En main pour prendre des mesures, il fait croquer à vive allure. Levé, il marque la qualité. Répondez. J'aurais dû le mettre, mais je vois pas trop prendre des mesures. Et voilà. Allez-vous-en, en vitesse. Allez, hop, la clé à la mer, et c'est reparti. Te dire la réponse. Attends, un gars parlé. Ok, merci de la réponse. Ouf. Faut vraiment être un vieux gâteux pour balancer des clés à la mer. Ça a toujours été curieux, ça. Putain. Ils auront plus de bande là sur le. Elle est partie où la clé? Dans ce temps-là, le timer il tourne quoi. Il tourne là. Pendant qu'il répète en boucle l'animation. Ouais. Ils ont filmé un mec pendant 2 heures avec leur caméra. Bah, c'est pas le même. Elle est où la clé surtout? Elle est plus dans son bec? Ah! Ils prennent bien leur temps, c'est con. Putain, ouais. Oh, les animations merdiques. Ouais, on a la clé. Ouais. Une clé de plus. C'est même le premier, mais... Ah, s'il n'y avait pas ce scanline, ça aurait été juste parfait pour l'immersion. Clairement. Pour cette épreuve, il faut quelqu'un de très concentré et de calme. Alors, faut prendre une boule et la foutre sur le Ali dans le... sur la bouboule. Avez-vous été militaire, soldat? Eh bien là, il faut ramper plus que jamais. Sauf que les ennemis que vous allez trouver en face de vous sont légèrement particuliers. Vous allez voir. Oh putain, bon courage. Ok.
C'est bizarre, c'est en full 3D, mais ils ont quand même fait ça en vidéo, tiens. D'accord, c'est juste avec... Ah, mais... Et non, il faut pas collectionner des araignées dans ce jeu. Heureusement que non. C'est bien, t'as vraiment le sablier en bas en plus. C'est dur à dire le temps qui reste. Oh. Bon, je suppose qu'il faut sortir maintenant que j'ai la clé. Pas sûr que ce soit la bonne, je sais plus s'il y avait des cadenas jaunes. J'ai eu ça une fois. Là c'est orange. Je vais peut-être voir si je sors quand même. Comment on sort, hein, j'en sais rien. Ah, en tout cas, t'en as différentes couleurs, tu vois. Effectivement. Putain, tu sors pas par l'entrée, peut-être. Putain, ça rend mais mal précis, quoi. Au moins, t'as le temps, parce que ça me fait penser à la fin d'un point and click qui s'appelle Willy Beamish. Et... pareil, un labyrinthe comme ça, sauf que t'avais pas trop le temps de réfléchir. Ça m'aurait étonné. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Putain, c'est qu'il y en a les portes. C'est bien, il me fallait de la viande pour ce soir. Ouais. Ah, la clé d'argent. Je sais même pas comment tu peux faire ça dans les temps, quoi. J'en sais rien. Je sais même pas comment ça s'arrête de toute façon. Niveau temps qui reste, c'est pas facile à dire. En tout cas, plus beaucoup. Je dirais bien, oui. Les portes se referment derrière moi. Rouge. C'est étonnant, elle est tout à part des autres. Mais non. Bien qu'ils indiquent quand est-ce qu'il y a vraiment plus beaucoup de temps. D'habitude, tu entends les autres personnes, tu sais.
Ouais, ouais, qu'ils me disent de sortir, mais là... Ah, puis j'en sais rien. Alors, c'est quoi l'espace pour quitter? Malheureusement, c'est pas valable dans toutes les missions. Je sais pas pourquoi, mais bon. Faut que je retrouve les... Bah ouais, ouais, mais comment? Mais comment je fais ça? Y'a pas de flèche bas au début. Comment je sors? Je crois qu'il y a marqué l'espace pour abandonner une épreuve. C'est juste que la fille qui a crié ça est juste conne, à mon avis. Oh là là, quel désastre! Allez, allez, je voudrais un peu plus d'optimisme! Ta gueule, va! Bah. N'empêche, on a mis du temps de crever parce que le sablier était à la fin, quoi. Ouais! Mode première personne. Pour cette épreuve, vitesse et sang-froid sont de rigueur. Vitesse et sang-froid. Endurant. Ah, ah mais non, putain, c'est ton tour maintenant. Oh, ouais, oh, ouais. Oh, oh, oh. Je vais mettre le capitaine parce que vitesse et sang-froid. La seule indication que je peux. Oula, oula. C'est qu'il faut que tu fabriques ta propre échelle jusqu'au moment où tu vas arriver à ton but. Oh, c'est assez simple. Mais il faut le faire. Putain. Alors, est-ce qu'on peut faire le clavier avec ça ou c'est que bien la souris? Faut croire que non. Et ni la souris. Eh ben super. C'est bon. N'importe quoi. Faut agiter la souris d'une certaine manière, mais j'avais dû voir ça à une époque, mais ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Du gameplay français. Putain. C'est pas seulement fait par un français, c'est aussi conçu par des français. C'est fait par des gens qui savent pas comment on fait un jeu, par contre. Hein. Bah, ça se voit, attends, non, mais c'est quoi ces conneries là? Ah! Vite, il n'a plus de temps! Ah, mais non, moi! Déjà? Il pouvait pas prendre la barre qui était à droite. Putain! Ça se passe, ma foi, pour eux. Ouais, comme par hasard, alors, toi, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce un manque de concentration? C'est un manque de logique de la part des développeurs plutôt. Bah oui. C'est la force et l'habileté qui sont nécessaires. Force. On va reprendre les muscles. T'as déjà fait faire deux trucs de toute façon. Allez. Putain. Bon, oh là là. Un petit conseil amical, on ne rigole plus car l'oubliette vous guette. Rappelez-vous, vous jouiez au bill quand vous étiez petit. Bon, voilà la poignée. C'est à vous de faire circuler la bille dans ce labyrinthe afin qu'elle puisse arriver au bout. Attention au piège, il y a des trous. La bille peut donc y tomber. Quelle est où là? Oh, bon. Quelle idée de faire ça de la souris. Ah bah. On va voir si c'est moins bien ou à peu près aussi bien fait que dans Rayman contre les lapins crétins. Non. Il semble que c'était aussi à la souris. Tu auras ta place à droite. Redescends. Passe à droite. Ouais. En bas. Ah d'accord, bonhomme, c'est fermé. Plus. Ah putain, je l'ai pas vu. Ok, à gauche. Prends un chemin de merde, évidemment. La descend. À la limite, ça aurait été étonnant, tiens. Ah, pourquoi il est écrit 10? Gauche, et là, attention. Le trou. À la droite. Ah oui, t'as que 3 chances. Ah mais ça aide pas d'avoir une 3D précalculée aussi. Tu sais, t'as à peine 3-4 sprites pour l'animation. Ah bon, de la gauche, table. Passe à gauche, en haut. À gauche, en bas. Gauche. Et attention, ramener à droite en même temps que tu descends.
En bas. À droite. En bas. On descend. Non. En bas. Putain. Oh, ça passe, là, je suis désolé, hein. Putain, faut faire tout ce chemin, là. C'est quoi ces conneries, là? Allez, bâtard, là. En bas. Droite. Oh. Évidemment. Putain, le même trou, là. Faut te préparer à braquer à droite. Ah, non. Droite. Allez. Tombe. À droite. Oh. C'est vraiment le chemin le plus long qui puisse exister, quoi. Yeah! Non, redescends! Eh ben. Putain. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ils ont fait exprès de faire un gameplay pourri pour augmenter la difficulté du jeu, mais. C'est fait de manière tellement artificielle, quoi. C'est... Putain. Pour cette épreuve, il faut quelqu'un de très concentré et de calme. Allez, tiens. Allez. Avec les sauts au milieu. Très difficile. Non, par hasard. Oh, Burke. Ouais, bah même la vue à la première personne, ça va pas aider, hein. Tu laisses les pieds dans les étriers pour avancer. Tu décroches et tu passes à l'autre. Essaie de progresser. Oui. Ah, il me semble qu'on peut avoir la technique. Ok. Comment ça marche, cette connerie? Est-ce que ça marche déjà? À moitié. Ce sera une version qui n'aura pas été faite par Inavijou à ma connaissance au moins. Alors, oh. Oui, synchro, j'en sais rien, moi. Ouais, ça doit être... Faut attendre le bon moment, on dirait. Mais on dirait qu'il y a une frame qui se fait pas et que du coup, tu le sautes à chaque fois. Ah. Ah. Je suis sûr que ça fait partie des meilleures animations du jeu, en plus. Ça pour ça. Maintenant, tu changes la vue, ces bâtards. Oh, les enculés. Ah. Putain, micro, ils étaient déjà au fond du trou, en fait, à l'époque. Eh ouais. Encore une nouvelle vue. Ah. Putain, pourquoi t'as Dark Vador en fond en plus? Il a rien à foutre là. Oh putain, la clé rouge. Yeah. Bravo, bien joué. Oh ok, c'était pas trop mal encore. Je vais faire clic gauche pour faire tourner et clic droit au bon moment en fait. Bravo, une clé de plus. 57 minutes. Cette première preuve nous a fait perdre beaucoup trop de temps aussi. Oh là là, ils ont... On sent qu'ils ont édité à l'ordinateur la vidéo pour les t-shirts rouges. Bah, clairement, ça se voit. C'est comme pour la clé, tout à l'heure, en fait. Pour cette épreuve, nous avons besoin d'audace et de rapidité. Ok. Je vais prendre mon agile. Allez. Ma foi, ouais. Allez. Putain. Est-ce que la logique est votre fort? Oh non, putain. Eh bien tant pis. Allez, c'est parti. Oh putain. Ce truc est super bizarre en soi, quoi. La grosse roue déjà dans le suite gauche tout en bas. La grosse. Donc. Ouais. Je pense, hein.
Une moyenne. Il faut que tu partes de la roue qui est fixe, que tu repères un chemin logique. Il faut vraiment que les dents s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Ah, mais ça va pas se toucher. Alors peut-être. Ouais, la grande du coup. Si, voilà. Peut-être une toute petite. Sur celui du dessus. Non, pas là. Là. Oh. Oula, attends. Ouais, bah, écoute. Oh, ça fait encore plus bizarre. Pas de façon, ouais, déjà, au moins une moyenne. Accélère! Plus vite! Essaie de tourner la manivelle. T'as toujours été tordu, ce genre de conneries. Ah, mais ça fait chier. En plus, il y a encore un trou là, je sais même pas si mais il faut utiliser. Peut-être celui-là là-dedans, là, si c'est un emplacement. Non, ouais. Ça marche pas. Trop grand. Là, ça marche. Ah, elle est toute seule. Alors, peut-être mettre la grande. Remets la grande à gauche là. Non, pas celle-là, la grande. Elle tourne. Hop, d'accord. Putain, bah allez, je peut-être touche, celle-là à la place. Ok, tourne. Bon, oh, attends, elle se touche là. Vite, sort. Bah, sort. Tu étais si près du but. On n'a pas de prisonnier, c'est déjà ça. Oh, dis donc. Salope, va. Il fallait surtout de la logique et de la rapidité en fait. Il nous faut quelqu'un de fort. Ouais, bah allez hop, je reprends le truc. Allez! De toute façon, je pense que les personnages restent toujours les mêmes de toute façon. En plus. Que nous appelons entre nous la chapelle. Tu vas marquer à jamais l'heure de Fort Boyard. Un drôle de regard, moi, je dis, ton madame. J'ai pas les contrôles, j'ai fait clic droit, clic gauche, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas très grave. On fera mieux la prochaine fois. What the fuck? Bah merde, hein, voilà. C'est pas plus mal. Perds pas trop de temps. Bon, en général, j'aurais tendance à appuyer sur espace. C'est vrai qu'espace ici fait perdre le truc. Pour cette épreuve, nous avons besoin de quelqu'un d'intelligent. Ouais, bah allez, hop. Je prends du coup. Allez! Putain. Comment ça se déroule? Je vais vous expliquer. On va vous proposer une opération. Ah, d'accord. Vous avez devant vous 6 réponses possibles. À chaque réponse correspond une clé. Ça dirait une version bêta du jeu qui est clé en 2D. Bravo, bien joué. Ah, fallait faire qu'un seul. Bah bon. Je croyais qu'il fallait tout faire. Je croyais aussi. Bah bon. Tant mieux. Bah ouais. Bravo, une clé de plus. Bah, elle avait une pierre sur elle, ouais, ouais. Lui, le scorpion. Pour cette épreuve, nous avons besoin d'audace et de rapidité. D'accord. Allez, capitaine du navire, là. Capitaine du fort. Oui. Oh là là. Ah putain, ils ont repris cette musique. Elle était dans aussi cette cellule, dans... Une femme pourrait vous faire perdre la tête. What? Vous comprendrez très pourquoi. Pourquoi? Elle va nous montrer ses boobs. Ah. Ouais, j'ai rien fait là. Mais il devrait y avoir c'est des. Quoi, le... Ça devrait être plus schématisé que ça normalement. Il devrait y avoir des symboles qui nous indiquent. Bah. Alors c'est peut-être à droite quand tu arrives en haut là. Non, retourne à gauche. Ah, mais... C'est l'autre gauche. Non, retourne en bas. Reprends la route normale. Va tout au fond. Monte. Tourne à droite, peut-être. What the fuck? En bas, voilà. Putain, c'est obligé de prendre la route la plus longue.
putain, c'est cette fameuse musique qu'il y avait dans l'autre jeu Fort Boyard, le point and click tout moisi. Mais il y avait vraiment droite, des épreuves donc. Comme ça dans Fort Boyard, quoi. Remonte. À droite. Et moi ça choque. What? Accélère! Plus vite! Ta gueule! Ouais. Ils nous encouragent pas, ils nous stressent. Oh. Putain, ça va jusqu'où comme ça aussi? Bah j'en sais rien moi. Tiens, j'ai même pas monté. À gauche, bah, remonte. À gauche, non. Non plus. Oh, il y a des directions que je vais même pas prendre. Voilà. En haut. À droite, en haut. En bas. À gauche. Allez, c'est ce rail là. Et what? Il faut aller par où après là? C'est où la fin? Bah essaye, ma foi, au lieu de pas bouger. Oui. Donc c'est en bas. En haut. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tant d'efforts pour rien? On n'a pas de prisonniers, c'est déjà ça. C'est tellement stable que la vidéo elle se fiche même pas. Il nous faut quelqu'un de fort. Ouais, bah. Allez, comme le billard, il faut taper les bandes. Ils ont leur une conception très personnelle du billard. Oh, tu bouges? Fais quelque chose? What the fuck? Ok. Au niveau des boules, peut-être? Ouais, bah c'est bon, non, il y a rien qui marche là. Est-ce que c'est 100% souris? Accélère! Ouais, bah ta gueule. Il bouge pas là. Il fait des trucs qui pourraient être mal interprétés par contre. Clairement. Puis qu'il fait rien là, sinon. What? C'est tellement intuitif, quoi. Je fais les trucs, je sais même pas ce que je fais. Zut, un prisonnier. Mais il m'a même pas dit de sortir là, c'est quoi cette arnaque? Pour cette épreuve, il me faut quelqu'un d'agile et de souple. Parle d'agile. Hop, un petit talon d'agile. Allez, Cupidon, vise le cœur. Fais attention, vise juste en plein centre. Well done!
Bon, pour viser, ça va à peu près, mais alors après, s'il y a un contrôle de puissance... D'accord. C'est mitraillette. C'est bon. Hey, il a touché, là. Attends, je peux pas mettre ça plus haut, aussi. Là. Je crois que c'est pas très bien émulé par Dustbox. Bah alors, c'est pas bon, ça? Dans l'ombre, peut-être? Au moins, je pense que j'ai autant de munitions que je veux. Heureusement. Ma voix, c'est pas plus mal. Voilà. Ça mérite presque le 60 FPS. Mais qu'est-ce qu'on doit viser, ma foi? C'est le bordel au milieu, logiquement, mais je peux pas contrôler plus que ça la direction. je suis très limité, donc je veux dire, j'ai... J'aurais même pas une vraie cible, ce truc. Clic gauche et clic droit, ça fait pareil. Bon, c'est très conceptuel, hein. Ah oui. Je sais pas comment ils ont aussi... ils ont réussi à rendre un jeu de tir aussi conceptuel, quoi, je veux dire. Ah, je sais pas. Tant d'efforts pour rien, on n'a pas de prisonnier, c'est déjà ça. Ah là là. Ouais, bah ouais, ils avaient plus de rouge. On passe au violet, du coup. Ils avaient plus de peinture, bah non. N'importe pour quoi. Cette épreuve, atteindre le but nécessite de la réflexion. Allez. C'est une des rares épreuves dans laquelle tu peux rester enfermé. Donc, lorsque tu entres, regarde bien ce qui peut se passer. La porte se referme et tu es prisonnier. Il faut que tu reconstitues le bon mot pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Il faut que tu reconstitues le bon mot pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Il faut que tu reconstitues le bon mot. Oui, mais c'est bon. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses ah, c'est le dommage, mot, t'es bien. Pose le mot sur la porte. Ouais, mais. Ça sert à rien que je fasse le mot là si c'est pour qu'en fait ça se passe à droite. Il faut que tu reconstitues. Ta gueule! Pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Il faut que tu reconstitues le bon mot pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Ah, il faut que tu reconstitues le bon mot pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Il faut que tu reconstitues le bon mot. Engraguez-vous qui disait. Hein? Engraguez-vous qui disait. Engraguez-vous. Quand tu penses être sûr de toi, compose le mot sur la porte. Il faut que tu reconstitues le bon mot pour pouvoir sortir. Retire les lettres, intervertis-les. Quand tu penses être sûr de toi, pose le mot sur la porte. T'as réussi à nous faire chier avec le scrolling, quoi. Ah. Ok, ensuite. Prendre la clé à gauche, peut-être. La clé rouge tout à gauche. La clé rouge sur la gauche. Ouais, la petite là. Par contre, où la mettre, ça c'est une bonne question. Ah, et t'as du plus de temps aussi. Oh bah. Ça. Vraiment indication merdique. Ah putain. Ah bravo.
Putain. Pour cette épreuve, il me faut quelqu'un d'agile et de souple. De toute façon, il reste que des bonhommes à toi. Muscle, capitaine, d'agile et de souple. Allez! Vous allez vous lancer à l'assaut du fort. Ah trouve oui. Le meilleur oh, tiens. Parcours. Trouve le meilleur parcours. Et malheureusement. Trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. Trouve le meilleur parcours. Ah, j'avais réussi à déplacer trouve le bonhomme. Oh, j'ai rien vu, moi. Trouve le meilleur parcours. Non, enfin. J'avais déjà fait une fois, j'avais réussi à le déplacer, mais là je crois que c'est super pour tenter quoi. Trouve le meilleur parcours. 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 Oh putain, je serais curieux de savoir si c'était aussi buggy à l'origine quoi. Trouve le meilleur parcours. 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 Oh putain. Merde! Il a déjà fonctionné, ça a déjà fonctionné cette épreuve. Le meilleur parcours. Tu étais si près du but, on n'a pas de prison. Si près du but, il a même pas bougé. Oh putain. Ah putain, c'est fait avec le cul quoi. Putain, mais c'est vraiment raté quoi ce jeu. J'avais déjà montré le bug avec les allumettes là. Pour cette épreuve, c'est la force et l'habileté qui sont nécessaires. Ouais bah, moi je prends quand même un petit peu parce que là, c'est n'importe quoi là. Allez. C'est pas un mec depuis le début. Faut de la concentration et une bonne coordination des gestes et surtout, un coup de pompe. Surtout ne pas perdre le rythme. C'est bon, c'est bon. Pas de coup de pompe. Encore une fois, je vois pas... Oh. Là, on remue la souris dans tous les sens, mais rien ne se passe. On essaie les autres boutons aussi, mais... Ce jeu est complètement cassé, quoi. Tu étais si près du but. Ce n'est pas très grave. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, oh, c'est... que mon mini-jeu marche, déjà. On va dire que ça partit d'une bonne intention. Futé est demandé. Un futé. Bah le futé, il est en tôle. Je sais pas si un capitaine s'est futé, mais bon. Allez! Ce que tu cherches est au centre. Hein? Ah. Oh, Pulse. Ouais. Je crois qu'il faut aller. Encore du temps! Oh, oh putain, mais cette fonctionnalité merdique! Mais est-ce que je peux faire. D'accord. Faudrait peut-être rassembler les pièces pour que celle de gauche soit sur la partie gauche. Ouais, voilà, tout ça. Parce que le haut est déjà en haut. Ah, oh, c'est chiant. Oh. Oh putain. J'imagine que je vais faire un bon gros détour de merde. Oh là là. Oh. C'est-à-dire qu'ils avaient voulu simuler le poids bas. Des trucs, tu sais. Qui a ramené saut de gauche et saut de droite. Mais c'est dommage que vous voyez pas à quel point je suis obligé de bouger la souris. Ah, j'aurais continué à ta place. Hein? Ramène l'autre encore. Ok. Oh, celui qui est à gauche, ramène-la à droite. Fais descendre celui qui est au-dessus. Bon. Gauche. Droite. Non, l'autre. En bas. En bas. À gauche. Accélère. À droite. Yeah. Donc maintenant en bas là, fais ceux qui montent en bas en haut, à gauche, gauche, descend. Descend.
Celui qui est à droite, à gauche. Hardcore gamer. À droite. À droite. Voilà. Et là, ça ne marche plus. On se fait baiser, on se fait baiser. Et en plus, je suis sûr, l'espace libre doit être celle au milieu, bien sûr. Ta gueule. Ah, j'aurais pas le temps de remettre en place. Allez, dégage. Pour rien, et ça manque de concentration. Oh ta gueule, toi. T'es pas à notre place. C'est tout juste si je faisais pas la souris d'un bois l'autre du bureau. Hop là, allez. Oh. Putain. N'oublie pas d'attraper la clé. Mais quelle touche. Hein. What the fuck. C'est bon. C'est quoi cette plateforme que... Ok, où est la clé? Parce que moi je la vois pas. Doing. Oh putain, ils ont quand même dû refaire tout le fort en 3D. Hein. Putain. Tu étais si près du but. Bah, elle est où la clé? Imbécile. N'importe quoi. Non, mais là, ils ont eu un temps de retard, là. Il n'y avait pas de clé. C'était limite suicide, quoi. Ouais. Le fameux saut élastique. Nous avons besoin d'audace et de rapidité. Au moins ton personnage a osé sauter, quoi. Bah oui. Rien que pour ça, tu devrais avoir la clé, moi je dis. D'audace et d'audace et d'agilité, je crois. Allez. Mais non, on porte. Allez, viens dans ton chambre et installe un boulet et fais-le glisser. Oh putain. Alors, il est tellement en gros plan. Oui! Oui! Alors, évidemment. Comment avance-t-on? Ah! Et puis après, il n'y aura pas de mur invisible, hein. Ce serait trop facile, voyons. Je vois la souris à gauche et puis par la droite. Ouh. Oh, il y a un bruitage de Sonic là quand il appuie sur un bouton. Ça fait un peu ça, ouais. Ah, putain, mais gauche. Ça. Gauche! C'est à gauche, l'autre gauche! Allez. Ah mais au lieu d'avancer par gauche encore une fois. Ah c'est tellement pas réactif. Wow. Oh. Passer entre les deux. Ah bah c'est ça qui leur aurait dû se passer depuis tout à l'heure. Sacré en gauche. Aïe. Oh. Alors là, à mon avis, vos souris de gamer, elles vont pas vous aider ici. Hein. Putain, mais pourquoi ça, il peut plus y passer entre les deux. Ah, c'est bizarre ça. Waouh. Gauche et droite. Non, l'autre. Non, ouais. Ah, à chaque fois, là. Mais ouais, toujours au même endroit. Ouais, mais il y a rien aussi, après, c'est ça le problème. Oui. Oh, putain, non, je voulais encore essayer, là, j'ai plus le temps. Mais non. Tu étais si près du but, on n'a pas pris. Ah, là, c'est vrai, ouais. Mais ça réagit pas à la souris, en plus, le fait que ce soit de la 3D précalculée, il y a que quelques animations... Ça empire le truc, quoi. Pour cette épreuve, il me faut quelqu'un d'agile et de souple. Décidément. Allez, Cupidon. Oh. Fais attention, vise juste en plein. Là.
En plein centre, c'est en plein centre, hein, mais... Oh! Je pense qu'on saura jamais comment ça fonctionne. Ouais. Moi, je veux les épreuves qui sont... Je sais plus comment, enfin, elles sont souterrains un petit peu, là où il y a... avec les maîtres du jeu. Bravo, moi, j'ai envie de voir ça. 5. Pour cette épreuve, il nous faut quelqu'un de fort. Allez, Musclor. Il faut de la concentration et une bonne coordination des gestes. Oh. Pas de coup de pompe. Surtout, ne pas perdre le rythme. On sait pas comment ça marche, ce jeu. C'est extrêmement sexuel. C'est dingue qu'on puisse pas contrôler la direction. Ouais, bah on passe, hein, de toute façon. Ouais. Et normalement, en plus, quand on fait ça, il... ça envoie plus de liquide, et normalement, c'est censé monter, en plus. Bah oui. C'est pareil, je crois l'avoir déjà vu. Mais là, on est sur un lancement qui est plus planté que d'habitude, je pense. Pour cette épreuve, il nous faut quelqu'un de fort. Ouais, mais Sclore, il est pas la tête, déjà, donc... Ouais. Allez, comme le billard, il faut taper les bandes. Oh, oh, oh non. Ça, il prend déjà tout son temps pour se déplacer. Évidemment, c'était sur celui d'à côté. Oh, recule. Ah bah yo. Utiliser le 6 degrés, la souris en mode 6 degrés de machin ou quoi là? Wow. Alors ça m'étonnerait que dans la réalité les boules sont si lentes en plus. En plus. On dirait qu'ils donnent des coups de bite. Oh. Ça me blague. Allez cours. Oh putain. C'est... Non. C'est quoi cette baise? Vas-y. Ah putain, les dernières secondes très mal indiquées. Ah, oui. En plus, ma barre d'espace. Putain. Tu étais si près du but. Et ça manque de concentration. Oh, oh, oh. T'as qu'à y aller, toi, faire les épreuves. Connasse. Ouais, elle trash talk les autres, quoi. N'importe quoi. Ah putain. Heureusement, ceci sera sûrement le dernier nanar vidéoludique de cette session de jeu en local. Clairement. Il me faut quelqu'un d'agile et de souple. Quelqu'un d'agile et de souple. Agile et de souple, allez. N'oublie pas d'attraper la clé. Où est la clé? Elle est où? Ça, c'est même pas si mal animé en plus. On ne voit pas la clé. Où est la clé? Comme Jacouille la fripouille quand il cherche la clé. Mais alors... T'as, c'est con, j'ai fait ça, du coup je peux pas reculer parce qu'on a vu qu'il faut le faire le plus...
Bah, je sais pas, Est-ce que t'as fait, des clics gauche et des clics droite le plus rapidement possible? J'en sais rien. Non, faut garder enfoncé, je pense. YOLO! Yeah! Oh bah, dis-donc. Ah bah, elle est toute là-haut! Tardez fort pour rien, ce n'est pas très grave. On fera mieux la prochaine fois. Eh bah, putain. En fait, elle était toute là-haut. Tout là-haut, ouais. C'est pour ça que je voulais donner de l'élan, de la force. Putain, bah, fallait. Oh, maintenant, il y a du verre qui s'invite. On dirait que nos équipiers, ils viennent. C'est sans froid, sans de rigueur. D'un coup. Du pop. Allez. La seule indication que je peux te donner, c'est qu'il faut que tu fabriques ta propre échelle jusqu'au moment où tu vas arriver à ton but. C'est assez simple. Mais il faut faire. Allez, prends-la. Ah, mais c'est con, y a rien qui lui donne envie de monter sur la première barre, tu sais. Bah ouais. Parce qu'il devrait commencer par là. Hop. Alors, perdons pas de temps. Avec ces épreuves de merde, il fonctionne à moitié. Il peut pas pousser sur ses jambes. Un petit futé est demandé. Un petit futé. Bah le futé, il est en prison. On va prendre le musclé. On va prendre Barracuda à la place. Ouais, ça finit tous les deux par « et », ça va marcher. En plus, c'est dommage, y'a plus looping. Oh. Ah, c'est trop long, on l'a fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça manque. Putain, on a vraiment fait le tour des épreuves, qui va me dire. Putain. Hormis avec les maîtres du jeu. Je pense qu'on n'y aura pas droit tant qu'on n'aura pas cette clé, hein. Pour cette épreuve, de la mémoire et de la concentration seraient souhaitables. Est-ce que la logique est votre Eh bien tant pis. Allez, c'est parti. C'est ça qui m'avait énervé la dernière fois que j'avais fait ça tout seul, c'est même quand ça se touchait, ça agissait pas. Il faut que tu partes de la roue qui est fixe, que tu repères un chemin logique. Il faut vraiment que les dents s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Même la manivelle, elle tourne, tiens. Encore du temps. Il faut que tu partes de la roue qui est fixe, que tu repères un chemin logique. Il faut vraiment que les dents s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Il faut que tu partes de la roue qui est fixe, que tu repères un chemin logique. Il faut vraiment que les dents s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Essaie de tourner la manivelle. Ça, c'est sûr que ça démarre de là. Il faut que tu partes Putain, de la roue dingue, qui est ça. Fixe, que tu repères un chemin logique. Il faut vraiment que les dents s'emboîtent correctement. Y'a rien qui s'emboîte. Vite, tu n'as plus de temps. Pff, même alors, pas, il aura le cul de remplacer, quoi. On n'a pas de prisonnier, c'est déjà ça.